Et salut à tous, bienvenue sur Summoner's War, c'est Natroz, et aujourd'hui on va faire une petite review de compte. Sachez déjà dans un premier temps que la vidéo je l'ai déjà faite, mais au final, au milieu de la vidéo, mon son a régressé jusqu'à ne plus rien entendre. Je comprends pas. Du coup, je suis obligé de la refaire, mais ça me permettra de faire un truc un petit peu plus condensé. Voilà, on va pouvoir y aller, et on se retrouve sur le compte de Melvin 61. Melvin 61 qui est level 50, qui m'a envoyé un message en me disant est-ce que tu peux faire une petite review de mon compte? Voilà, j'arrive pas à passer le Dragon 10, j'arrive pas à le farmer, écoute, j'aurais besoin que tu m'aides pour faire une team. Voilà, bon écoute, y a pas de problème, hein. Si je me retrouve sur ton compte aujourd'hui, c'est que j'ai accepté. Du coup, tu me dis que tes objectifs sont le Dragon 10 et la TOA 100. Écoute, va falloir que je te teste. Que je teste un petit peu ça, histoire que, enfin que je regarde un peu tes monstres, histoire de pouvoir te faire une petite team. Voilà. Alors une team, tu farmes le géant 10, tu me dis, avec la team Vérobella, Acacius, Bernard, Lucien, et tu farmes le dragon 8 avec Véromos, Bella, Acacius, Bernard et Annabelle. Voilà. Donc Annabelle qui annonce un petit 5 étoiles, sympathique. On va aller voir tes monstres. Du coup, alors, tu as 16 étoiles, tu m'as dit. Donc, tu as un Tyran. Je vais pas trop m'attarder sur les stats et les runages. Dans tout ce que j'ai pu voir, en fait, mets des runes en pourcent. Tu as le niveau de mettre des runes 5 ou 6 étoiles quand tu farmes le géant. Fais-le, monte-le niveau 12 et mets des petites runes en pourcent. Je sais plus sur lequel c'est qu'il n'y a pas une rune en pourcent, mais enfin bref. Tu as monté 6 étoiles, un Tyran, une fille occulte. Donc Annabelle, un Raok, qui doit être un de tes farmers, un Barretta, une Chloé, très très bien, hein. Une petite Chloé qui est d'ailleurs très sympathique, et comme je disais en fait, alors je vais m'arrêter sur Chloé au niveau des stats, il faut très peu de vitesse pour Chloé, à mon goût, parce qu'il faut que ce soit la dernière qui joue de l'équipe pour pouvoir soit healer avant que l'ennemi attaque, soit mettre une invincibilité avant que l'ennemi attaque, et ne pas mettre une invincibilité en tout premier, pour pas que quand tes monstres jouent, ils perdent l'invincibilité. Voilà, tout simplement. Donc, très peu de vitesse, très bien. Un Bernard, une Acacius, un Lucien que t'as mis en leader, qui a un très bon runage, d'ailleurs, qui manque peut-être un peu de vitesse, mais bon, c'est pas tant ce qu'on lui demande, avec 177% de dégâts critiques, c'est pas mal. Un Belladéon et un Véromos. Normal, voilà la team de base. Ensuite, au niveau des 5 étoiles, tu as eu, ou alors tu as fusionné, je ne sais pas, une Valkyrie. D'accord. Et tu as eu une Reine Polaire haut. Et c'était sur celle-là, il me semble qu'il y a une rune qui est pas très bien. Voilà, celle-ci. Rune 3 étoiles, je pense que c'est juste pour faire le set Swift. Pourquoi pas. 3 étoiles sans le pourcent. Écoute. Voilà, c'est un peu dommage. Ce monstre a l'air vraiment sympathique en plus. Respecte-le. Si t'as la flemme de runer des Swift, t'en auras en géant, il n'y a pas de problème. Juste prends une journée pour pour prendre cette rune. Dès que tu l'as, tu passes sur autre chose. Et une Valkyrie qui n'est pas vraiment runée. Voilà. Donc écoute, très bien. Tu m'as dit que t'étais en train de monter un Spectra 6 étoiles. Tu as déjà 3 Arcémons que tu vas passer 5. Écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc ton Spectra, tu m'as dit qu'il allait te servir uniquement pour la TOA. Et écoute, un Spectra pour la TOA, c'est vraiment la base. On va partir sur justement ton objectif TOA, en tout premier. Parce que c'est lui qui te. Enfin, ça va être le plus simple à expliquer. Et le plus rapide surtout, et après on va pouvoir se pencher vraiment sur le géant. Voilà, donc pour la TOA, tu partirais, je pense, sur un. On va partir un petit peu, on va faire une team de base. Hein. Véromos. Belladéon, voilà, Barretta, Spectra, et je pense que tu mets un petit Bernard avec tout ça, ou alors une Annabelle. Écoute, je vois une seule chose qui te manque pour que tu puisses monter dans la TOA. J'ai regardé tout à l'heure quand je faisais la première review de ton compte qui n'a pas été enregistré, que tu étais bloqué au 70, il me semble, on va retourner voir ça. Et tu me disais qu'en temps normal tu allais jusqu'au 80, mais que tu aimerais bien aller jusqu'au 100. Je comprends parce qu'au 100 t'as un petit vélin légendaire, voilà. Donc c'est ça, tu es bloqué au 70.
Écoute, en normal, tu es bloqué au 70 et en hard, tu vas jusqu'au combien? En hard, tu fais pas le hard. Ok, très bien. Je pense que tu pourrais monter au moins jusqu'au 30-40 sur le hard. Essaye, ça te coûte rien d'essayer, ça va juste te donner plus de cristaux et plus de pierres. Voilà, t'es comme moi, t'économises pas vraiment les cristaux à ce que je vois. Donc très bien, pourquoi pas. Il te manque en fait pour ta team un Mav. Et alors oui, Mav, vous allez me dire, non mais Mav, c'est vraiment. C'est parce que tout le monde l'utilise que tu dis ça, machin. Non, en fait, pas du tout. Mav, quand on regarde, on va aller voir Mav. En fait, moi j'ai monté Mav, certes, parce que je regardais pas mal Jiraya et Mana qui disaient Mav super bien et tout. Au final, je l'ai monté, je l'ai laissé de côté pendant un bon moment, en me disant, non mais en fait, voilà, j'ai pas envie de faire comme les autres, je vais monter un autre truc, et au final, Mav m'est indispensable. Tout simplement parce que bon. Sur son skill 1, 20% de chance d'assommer l'ennemi. Pourquoi pas, sort une hache, pourquoi pas. Sur son skill 2, récupère 25% de TPV avec 75% de provoquer l'ennemi pendant un tour. Super bien. On se dit, déjà, il va lui falloir une bonne base de PV, mais il récupère quand même 25% des PV en vue de se faire taper dessus. Je vais appeler ça un monstre un peu bouclier, qui est assez bête sa mère, on va dire. Et le skill 3. Donc, supprime un effet nocif de tous les alliés, réduit le temps de pause de leurs compétences d'un tour et augmente leur vitesse d'attaque pendant deux tours. Je sais pas si vous vous rendez compte la puissance de ce skill. Skill max, je crois qu'il passe à 3 tours de CD. C'est énorme. C'est énorme. Mav, c'est vraiment un must-have. Il faut l'avoir pour pouvoir monter en TOA. Montez-le 35. Moi, le mien, il doit être 33. Je crois, mon petit Mav, il doit être niveau 33. Avec un runage qui est loin d'être parfait, vu que je me concentrais sur les runages de ma team géant B8. Mais Mav, franchement, très facile à éveiller. Un petit peu plus dur à skill up que les autres monstres 2 étoiles, mais franchement, il fait le taf. Le mien, je crois qu'il est skill up, d'ailleurs. Il doit lui rester. Ouais, non, je crois qu'il est skill max. Donc, vraiment bien. Mav, on se dit, ouais, chevalier pingouin, les autres sont pas terribles quand on regarde Naki, Thomas, voilà, ils sont pas extraordinaires. Alors Mav, Donna et Kuna, c'est des monstres. Clairement, c'est des monstres. Eux deux, ils sont un petit peu plus pour le raid, il me semble. Mais alors Mav, pour monter en TOA, il te faut un Mav. Il te faut clairement un Mav. Tu mets un Mav avec un Barretta, un Spectra. C'est vraiment une team de base, hein. C'est même pas une team que j'ai copiée, c'est vraiment une team de base TOA. Voilà, donc un Veromos, un Belladéon, un Barretta, un Spectra ou un Bernard, et un Mav. Et un Mav, c'est pas ou un Mav, c'est et un Mav. Il te faut un Mav. Voilà, monte avec un Mav, et ensuite tu feras vraiment ta team comme tu l'entends. Mais franchement, un Mav, ça va vraiment te faire le taf. Imagine qu'avec un Avel, je sais pas du tout si tu l'as skill max, non, tu l'as même pas. Voilà. Imagine ton skill 3, voilà, tu viens de l'utiliser, enfin tu l'as utilisé il y a quelques tours, voilà, t'es contre le boss, tu commences à avoir des effets nocifs qui vont te permettre, qui vont t'empêcher de reprendre des PV. Donc t'as un buff d'anti-récupération, je vais appeler ça comme ça. Ah, putain de merde, bon, petite ellipse, voilà, ça casse les couilles. Wesh, c'est bon, ça marche après 10 minutes. Putain. Du coup, je te disais, en gros, t'as Anavel à un blocage de récupération de PV. D'accord, jusqu'à là, ok. Il reste un tour de CD avant que tu puisses réutiliser ton skill 3. Tu as besoin pour niquer la vague et t'as besoin de récupérer des PV grâce à ton Belladéon qui n'attend que ça. D'accord? Ton Veromos a joué avant, donc il peut pas t'enlever ton buff. Ton Mav joue. Il utilise son skill 3. Tu peux réutiliser toi ton skill 3 parce qu'il baisse ton tour de CD. Donc nickel. Il joue juste avant toi. Il t'enlève tes tours de CD. Un tour. Il t'enlève ton souci de récupération. Il augmente ta vitesse d'attaque pendant deux tours. Et Belladéon, qui joue juste après, peut te remettre ta vie. Voilà. En gros, Mav, indispensable. Franchement, indispensable. Et vous verrez qu'il sera vraiment très utile parce qu'il fait ça sur toute l'équipe.
hein, clairement. Je prenais l'exemple de ton Annabelle, mais ça peut très bien être un autre monstre. Hein. Mais enfin. Donc voilà pour ton souci de TOA. Monte un MAV, monte ton Spectra 6 étoiles, vois un petit peu pour les runages, et ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. Ensuite, pour ton souci de dragon. Tu me disais que ta team 8, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre sous les yeux. Merde, je repars sur les monstres. Alors, ta team 8, je vais le faire sur mon téléphone, ça sera un peu retardé là-dessus. Bon. Alors, en gros, le 8, tu le fais avec Veromos, Bella Acacis, Bernard et Lucen. Lucen, Annabelle. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, t'as une team qui est sympathique, hein, tous 6 étoiles. Je t'envie d'ailleurs beaucoup pour tous ces 6 étoiles. Mais bon, voilà. Ta team est sympa. En gros, pour moi, hein, il va te falloir un Konamiya, clairement. Parce que si on part sur un Dragon 10, qui est un monstre feu, donc on va refaire la team sous les yeux, hein. Hop. Alors, on a dit Bella, Akassis, Bernard et Annabelle. Voilà. Bernard et Akassis vont se faire troncher. Clairement, parce que c'est des monstres vents, les vagues elles vont pas trop apprécier. Zeros qui t'attend au point 3, il va les niquer direct. Donc déjà, ces deux monstres, on oublie. On va passer. Toi. No! Voilà. Donc du coup, Akassis, Bernard, dehors. Voilà, va falloir que tu te concentres sur des monstres qui sont eau ou feu. Moi, ce que je te conseille, mais vivement, c'est un Konamiya. Parce que t'as pas beaucoup de heal. Enfin, faudrait que t'aies un heal vraiment récurrent, que tes monstres jouent vraiment souvent. Un Konamiya, ça va faire le taf. Tu montes un Konamiya, c'est un 2 étoiles. Tu le skill up très facilement. Bon, même pas 3 jours, je pense qu'il est skill up avec plein d'invocations. Voilà, ça fait le taf. Clairement, ça fait le taf. Et ensuite, tu mets bah, des monstres feu ou vent, feu ou eau, hein, que tu veux. Peut-être que ta reine du désert va passer. Mais il faut que tu mettes un Konamiya. Il n'y a pas un de tes amis là qui a un Konamiya par hasard. Putain, t'as beaucoup d'amis sympathiques. Hein. On va pas se mentir. Toi, t'as pas un petit Konamiya qui traîne? Bon alors du coup on va devoir jouer avec l'imagination. Non, voilà, on va mettre un monstre vent pour que ça fasse une tâche. Imaginons que là t'as un Konamiya. Imaginons, ouverture d'esprit, tout ça, tout ça. Voilà, ensuite, là c'est vraiment toi qui choisis, clairement, le dernier monstre que tu veux mettre. À la limite, Annabelle, voilà, si elle te sert pour le 8, si tu l'as bien runé, ce que je pense qui est fait, éveille-la, déjà, il faudrait que tous tes monstres soient éveillés, ça peut être sympathique. Je pense qu'avec la team que tu fais. Tu peux largement farmer le donjon haut. Là, je pense que d'ici la fin de la journée ou la fin de la journée de demain, elle est éveillée. Si tu te concentres là-dessus, elle sera éveillée. Voilà. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour mon mode bestial. Vous pouvez pas vraiment voir où en est mon compte parce que j'ai encore 4 ou 5 vidéos à sortir que j'ai déjà tournées. Mais je vais faire une petite review de mon compte. Enfin, je vais tout tourner, je vais pas refaire de vidéos jusque-là. Et comme ça, après, on se mettra sur du direct. Après, tu mets vraiment ce que tu veux, à la limite ton Raok, qui est un peu une feuille de papier, c'est pour ça qu'il faudrait un petit healer. Un Barretta ou un Tyran. Pourquoi pas une Chloé, mais ça ferait beaucoup de heal. Après, vraiment, ce qui peut être sympathique, c'est une Megane. Une Megane, si tu la testes bien sur la vitesse, elle peut mettre son anti-buff sur le dragon avant que la tour lui mette son immunité. À la limite, ça peut être sympa aussi. Voilà. Megan qui est un 3 étoiles natif que tu peux choper relativement facilement. Moi, je t'aurais conseillé, en fait, c'est ce que j'ai fait. Quand je vois que des monstres vont me servir un peu plus tard, je les garde, je les lock. Enfin, dès que je les ai, je les lock. Et je les mets soit dans le stockage, soit je les monte niveau 30 et j'attends pour les runer. Et voilà. Après, je les passe 5 étoiles et puis on voit un petit peu ce qu'on fait. Parce que je suis pas encore au moment où j'augmente pas mal de 6 étoiles. Ce que j'aimerais bien faire d'ailleurs. Mais bon, donc on va voir. On va voir. Donc pars déjà sur une team comme ça. Veromos, Belladéon, Annabelle. Ou alors à la place d'Annabelle. Ouais. Veromos, Belladéon, Annabelle, Konamiya.
Voilà. Et après, vraiment, tu te fais plaisir dans tes monstres. Mais là, avant de pouvoir le farmer, il va falloir que tu rentres dans une bonne phase de test. Et cette phase de test peut être plus ou moins longue, mais dans tous les cas, elle va te servir, cette phase de test. Tu vas tester avec des monstres. Voilà, avec tous tes monstres qui te semblent sympas. Déjà, monte un Konamiya. Avec tes monstres qui te semblent sympas, tu pourras peut-être même supprimer Anavel. Voilà, tu vas partir sur cette base de 3. Après, je vois que t'as pas Galion, t'as pas Verdeil. On se retrouve un peu dans la même situation. T'as pas Galion, t'as pas Verdeil. Voilà, ça va peut-être bien te manquer. Mais écoute, si t'arrives à ruiner un bon Konamiya et à partir sur tes autres monstres, à la limite, ça peut être sympa. Je viens de me rappeler que dans les deux petites reviews que j'ai faites, je n'ai pas regardé du tout ton stockage. Du coup, je vais aller voir ça. À la limite, si t'as petit Konamiya dedans, ça peut être sympathique. Alors, bah oui, t'as un petit Konamiya ici. Bah écoute, ton Konamiya. Bah voilà, il est tout bon, il est fait. Prends ton Konamiya. J'allais dire, prends ton Konamiya demain. Non. Prends ton Konamiya, monte-le. Voilà, je vais même te le passer de l'autre côté. Hein, tu m'en voudras pas, je pense. Prends ton Konamiya, monte-le, éveille-le, rune-le. Mets-le en dragon, il va te faire le taf. Clairement, après, il va lui falloir pas mal de points de vie, il va lui falloir une bonne vitesse, il va falloir qu'il soit skill up, mais là je pense qu'avec les Garuda que tu as et que tu auras, tu vas pouvoir le skill up d'ici quelques jours, le skill max d'ici quelques jours, et voilà. Ton taf s'arrête là. Après, oui, comme je t'ai dit, et je te le répète, les phases de test vont être longues. Mais bon, si tu veux pouvoir farmer le géant 10, le dragon 10, je veux pas y arriver, hein. Le dragon 10, il va te falloir des longues phases de test. Et voilà. Et après, ça ira tout seul. Tu verras. Voilà. Je pense que cette review est terminée. Voilà. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère qu'elle aura plu aux viewers et qu'elle va leur servir aussi. Voilà. Je pense pas pouvoir dire d'autres choses étant donné que Melvin n'est pas intéressé par le raid pour l'instant. Qu'il cherche pas vraiment forcément les invocations. Il m'a dit qu'il allait faire une petite summon session un petit peu plus tard. Donc on va voir, on lui souhaite bonne chance pour avoir des invocations. Bonne chance sur ses invocations. Et on verra bien. Voilà. Farme ton géant histoire d'avoir des bonnes runes 5 et 6 étoiles. Augmente-les niveau 12 minimum. Et voilà, ton équipe sera faite. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et un petit commentaire. Voilà, si vous voulez que je vous fasse votre summon session ou votre review, envoyez-moi un petit message sur la page Facebook qui se trouve dans la description. Et moi, je vous laisse ici. Allez, salut tout le monde.